Et s'il arrêtait? Et s'il arrêtait? Et s'il refusait? Et s'il arrêtait d'arrêter, la refumerait-il? Et s'il refusait, que fût-ce nous-mêmes? Et s'il arrête de l'arrêter, fumerait-il? De l'arrêter à tout prix contre les stylos crapuleux abominateurs. Et si le prix est de le vendre là? À quel prix sommes-nous vendables? À quelle heure? À quelle heure? Et si le prix est de sommes-nous vendus si l'on achète pas d'art? Pas d'art. Nous ne nous sommes dévendus de l'art, alors que l'art même n'a pas de prix. Et si l'art n'avait pas de prix, à quelle heure? Vendable. À quelle heure? Et si l'art avait un prix impayable, l'achèterait-on? Et si l'art qui n'a pas de prix serait content alors même qu'il n'a pas de prix, c'est que l'art est vendu et qu'il est vendu dans l'artiste, c'est lui impayable. Et si l'art n'a pas de prix, pourquoi le paye-t-on? Et si l'homme était? Et si l'homme fut? Et si l'homme était? Et si l'homme de fumée impayable? Si l'art qui n'a pas de prix se fait content alors même qu'il n'a pas de prix, c'est que l'art est vendu et qu'il est vendu dans l'artiste, c'est lui impayable. Et si l'homme n'a pas de prix, pourquoi le paye-t-on? Et si l'homme était? Et si l'homme était? Et si l'homme fut? Et si l'homme fut? Et si l'homme est de l'arrêter, de s'arrêter là tout à l'heure, le marchand, caprice, culot, abominateur, et si le prix en est que l'homme, épuisement, mort, suicide, dépression, neurasthénie, ni dépression, paranoïa. Et si l'art était, et si l'homme avait un prix impayable, tirait-on? Si l'homme avait un prix impayable, tirait-on? Et si l'homme n'a pas de prix, et il se paie lui-là, content alors même qu'il n'a pas de prix, content de l'arrêter, de s'arrêter, content alors même qu'il n'a pas de prix, content alors même qu'il n'a pas de prix, content alors même qu'il n'a pas de prix, content de rester lui-même qu'il n'a pas de prix. Et si l'art était, et si l'homme avait un prix impayable, tirait-on? Si l'homme avait un prix impayable, s'il est vendu, alors l'art c'est lui. Alors l'art c'est lui, l'impayable. L'art était la crise de l'homme, et si la crise de l'homme était l'art, n'était autre qu'une crise de l'art, payable, vendu, marchandé, dépourvu de vie. Alors l'art c'est lui, sans art, l'impayable. L'art, et si l'art se paie, c'est que l'homme se doit. L'art n'était autre qu'une crise de la mort. Se doit de payer et d'être payé pour lui-même, alors que même il ne peut vivre. Donc. Se paie, c'est que l'homme se doit de payer et d'être payé pour lui-même, alors que même il ne peut vivre. Donc thank you.